Eh bien, nous revoilà tout le monde devant cette superbe cheminée ultra fonctionnelle. Hein. Là, il y a même la fumée qui va jusqu'en haut. Mais en fait, non. En fait, ça, c'est un petit trick. J'ai mis du feu comme ça pour faire genre comme si la fumée partait jusqu'en haut. Mais c'est impossible dans Minecraft que les particules montent aussi haut. Donc voilà. Donc elle est super fonctionnelle, comme vous pouvez voir. En fait, c'est un système qui est très en vogue en ce moment sur YouTube. Hein, les cheminées. Avec des ouvertures secrètes derrière, et donc moi j'ai décidé de faire la mienne. Voilà, après c'est peut-être pas la mieux ou je sais pas quoi, mais j'ai décidé de faire la mienne. Donc voilà, donc je vais vous montrer l'ouverture. Hop, comme ça, c'est quasi instantané. Attends, je vais vous montrer le système. Donc ça c'est le système, ça c'est pour activer avec le levier. Hein. Donc là en fait on pourrait enlever comme ça, et là vous voyez, là c'est le système. Donc 2 de large en très grande partie et 3 de large juste en haut. Donc ça revient à du 3 de large. Donc de toute façon on est obligé de dire ça pour le système. 6 de longueur. Et en hauteur, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 aussi. En disant que ces blocs-là, vous pouvez les remplacer par des demi-dalles, hein, si ça vous chante. Donc voilà. Donc hop, on va passer au tutoriel. Et bien voilà, on passe au tutoriel. Donc vous placez vos deux blocs de Netherrack où il y aura votre feu ici. Donc ça c'est notre point de repère. Et maintenant vous allez pouvoir commencer à faire le système. Donc vous allez placer des dispensers comme je suis en train de faire à ce moment même. Voilà. Une fois que vous avez mis les dispensers, vous allez pouvoir placer tous les pistons du système. Donc il y en aura en dessous de la netherrack, hein, pour la rétracter bien sûr. Hop, comme ceci. Il y en aura aussi à cet endroit-là. Voilà, on va enlever les deux blocs, comme ceci. Parce qu'en fait, ici, il faudra rétracter les demi-dalles qui sont ici, en fait. Donc bon, vous les mettre déjà comme ça, hein, et pareil pour la netherrack si vous voulez. Voilà. Et comme ça nous fait un escalier. Et aussi les blocs qui se trouvent derrière. Donc là, ici on peut voir. Donc vous entendez peut-être dans la rue des bruits, mais c'est pas grave. Donc ici, c'est pour rétracter le derrière du système. Donc hop, je vous mets ça comme ça. Et voilà. Donc une fois que vous avez ceci, donc autant on va remplacer les blocs, hein. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, on va commencer à mettre la redstone. Donc vous allez placer deux blocs comme ceci. Vous allez placer vos torches. Donc ça active les quatre pistons qui sont là. Maintenant, vous allez mettre vos demi-dalles, soit vos blocs. Moi, je préfère mettre des demi-dalles pour montrer que ça peut être très très compact. Vous mettez vos demi-dalles comme ça. Là, ici, un bloc. Et maintenant, une lignée de quatre demi-dalles. Et là, vous allez faire pareil, deux demi-dalles et un bloc comme ceci. Voilà. Là, vous allez placer aussi la redstone. Là, vous allez placer deux redstone. Et là, un répéteur sur un tick, un répéteur sur un tick. Voilà. Là, vous placez vos deux torches. Vous placez un bloc sur chacune. Là, vous placez une redstone. Oh, une redstone sur chaque. Vous allez mettre un bloc ici et ici. Voilà. Comme ça, il y en a un qui active le piston et l'autre le dispenser. Là, c'est pareil. Ça active le dispenser et le piston, voilà, et votre système est normalement fini. Donc si on regarde, hop, et qu'on met un petit levier, wow, un levier, voilà, ça active, ça désactive, voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à placer le flint and steel, donc hop et hop, et là si on active, ça active le système. Désactive, ça désactive, voilà, c'est normal. Donc maintenant je vais vous montrer les différentes sortes d'ouvertures. Donc voilà, j'ai placé des murs pour simuler une ouverture. Donc on peut ouvrir avec un levier. Donc ça c'est la première chose. Donc si vous ouvrez avec un levier, vous descendez en escalier, hein, vous faites voilà. Et une fois que vous arrivez devant. Le moins cher, c'est de descendre comme ça. Après, ouais, vous pouvez mettre un levier pour aller un peu. Un piston pour aller un peu plus vite. Mais bon, après, c'est votre choix. Vous mettez comme ça. Et voilà, si on active. Voilà, donc c'est instantané. Voilà. Donc après, vous pouvez passer aussi un bouton. Voilà.
Sauf faut aller, il faut être très très rapide, donc après c'est votre choix, mais faut être très très rapide si vous voulez pas être dans le feu et brûler. Donc après ce qu'il y a c'est qu'avec un, si on aime bien les boutons, on peut faire aussi bah, avec une flip-flop, comme j'ai fait dans la vidéo. Donc la flip-flop, bah, c'est un peu différent. Donc là, une fois que vous avez votre bouton ici, bah, pour descendre le système, on va utiliser un piston. Et en fait, on va mettre, vous allez placer deux blocs comme ça. Les deux blocs, vous allez mettre de la redstone au-dessus et des torches de chaque côté. On va mettre un bloc de redstone au milieu. Vous allez placer un bloc comme ça et mettre un piston pour enlever le bloc. Et là, vous allez mettre un bloc comme ça et mettre un piston et vous pouvez enlever le bloc. Et en fait, à chaque fois qu'on active, regardez, voilà, le bloc de redstone change de position. Voilà, et donc en fait, vu qu'il change de position, ce que vous pouvez faire, c'est pour que ce soit très compact. C'est mettre comment on peut faire? On va mettre un bloc comme ceci, une torche de redstone, remettre une redstone comme ça, et en fait là en fait on a fait un inverseur pour activer ça. Et on n'aurait pas pu faire passer un fil de redstone comme ça parce que ça se serait pris dans le repeater et ça aurait bloqué le système. Donc là en fait on fait comme ça et on joue avec une torche de redstone pour pouvoir en fait utiliser ça pour activer le système. Et en fait ce qui est bien avec ça c'est qu'on peut faire avec un levier, en fait une fois qu'on en pose un et qu'on active le système, on peut pas utiliser un autre levier pour désactiver, alors que là bah, ça va être possible. Regardez par exemple si je sais pas moi j'ai un autre système ici, voilà, non j'ai un autre mon entrée voilà, imaginons je suis à l'intérieur maintenant de ma base vu que j'ai descendu mes escaliers et que j'ai envie de la fermer, et bah regardez là si je place un truc ici, et bah ça fonctionne. Voilà, donc en fait je peux utiliser un levier pour un bouton pour faire comme si c'était un levier et en plus bah, pouvoir le utiliser à allumer le, enfin, wow, activer le système à plusieurs endroits. Voilà, donc j'ai du mal à parler. Maintenant je vais juste vous montrer le petit truc que j'ai utilisé en début de vidéo. Donc en fait c'était quand vous placez un escalier comme ceci et un autre comme ceci, en fait la hitbox de l'escalier, vous voyez là c'est en surlignant autour de l'escalier. Et bah là aussi, mais ce qu'il y a c'est que ici juste là, et bah il n'y a plus de surlignance. Et donc en fait si par exemple on se met là, regardez, là vous voyez, ici il y a de la surlignance et là il n'y en a plus. Et donc là si on place un bloc derrière avec un bouton ou un levier hein, comme ça, regardez, hop, là on peut activer. Je vais vous montrer par exemple, regardez, avec ici on met une torche au-dessus. Voilà, vous voyez? Et bah là c'est pareil. Et c'est ce que j'ai utilisé en début de vidéo, c'est pour ça que vous avez vu un petit trait comme ça. Voilà. J'espère que vous aurez aimé ma vidéo sur cette cheminée. Si vous avez aimé, laissez un like et aussi commentez si vous avez aimé ou pas, oui, ou pas aimé. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous avez énormément aimé ma vidéo. C'est Voilà, et on compliqué, va mais se bien retrouver sûr, hein, pour la de nouveaux lave tutoriels. descend Allez, ciao beaucoup tout le monde. d'eau, mais ça marche aussi bien. Et comme vous pouvez voir, c'est très compact, ça fait 1 de large, bon, on va voir en bas aussi.